Bonjour, c'est Olivier Dartigol, le porte-parole du Parti communiste français. Je vous parle depuis l'espace Oscar Niemeyer à Paris, où il y a une magnifique exposition Rancillac. Quelques mots sur la situation politique et son évolution. Le danger aujourd'hui, à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, c'est le danger FN, le danger Marine Le Pen. Il y a quelques mois, son élection était présentée comme improbable, puis pourquoi pas? Et aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là. Le danger s'est rapproché. Et d'ailleurs, beaucoup de monde dans le pays nous interpelle au cours des derniers jours en nous disant « Parlez-vous à gauche, trouvez une solution, ne laissez pas faire ça. » Pour ce qui nous concerne, nous prenons cette question bien évidemment très au sérieux. On ne se résignera jamais à cette fausse fatalité. Alors, nous avons pris la décision de soutenir Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui est notre candidat, et nous poursuivons notre démarche de rassemblement. Pierre Laurent va rencontrer cette semaine l'ensemble des candidats déclarés, des organisations politiques de gauche intéressées à une alternative au landisme et au fiasco des 5 dernières années, pour mettre sur la table quelque chose de simple et à portée de main, un pacte majoritaire à gauche. Des solutions de gauche pour le pays. Mais regardez, sur des sujets très précis, c'est à portée de main. Sur l'abrogation de la loi El Khomri et la loi travail, dont nous avons besoin dans notre pays au XXIe siècle. Ou encore sur le fait de sortir de l'austérité à l'échelle européenne, une nouvelle politique industrielle, une relance industrielle avec la transition écologique. Nous voyons bien, sans oublier la 6e République, on voit combien la 5e nous bouffe un temps, une énergie considérable sur la question de la candidature. C'est le présidentialisme, il faudra bien en sortir. On voit bien que ce pacte majoritaire à gauche, il est à portée de main. Dans le pays, cela serait un formidable espoir. Donc voilà ce que va faire Pierre Laurent concrètement, parce qu'il faut bien passer aux travaux pratiques. Nous allons diffuser partout dans le pays une adresse au peuple de France où nous allons préciser cette question-là. Il y a aussi les élections législatives, parce que nous savons très bien que l'élection d'un grand nombre de députés communistes du Front de Gauche de la France Insoumise, c'est une condition importante dans le rapport de force pour les prochaines années. Donc on ne lâche pas l'affaire, on ne se résigne pas. À celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche, je le sais, qui ne veulent ni de Marine Le Pen, ni de Fillon, ni de Macron, ils sont disponibles dans ce pays. Donc aujourd'hui, à 2 mois de l'élection présidentielle, il faut le sursaut à gauche. Il faut fermer la route à l'Élysée, à Marine Le Pen, à Fillon et à Macron, et aller de l'avant avec cette dynamique de gauche, avec du contenu, des solutions et du rassemblement pour créer les conditions politiques de leur mise en œuvre dans le pays le plus rapidement possible.